coucou tout le monde, on se retrouve pour un haul Leclerc avec... Encore, il faut dire. Camille. Ça fait un moment que j'en ai pas payé. J'aurais dû refaire un... Là, on a pas fait depuis J'aurais longtemps. Dû en faire un depuis samedi et je l'ai pas fait. J'ai attendu lundi. Donc on va y aller, on va vous montrer du coup ce qu'on a pris. Donc pour un total de 174,78€. L'avantage est 78. On y va ? On commence par quoi, ce qui est par terre ? Ouais. Allez. Oh, hey, j'ai à l'ostéo, c'est pas pour me répéter le dos. On a pris deux packs d'eau cristalline, donc des bouteilles de 1,5 litre. Hey, j'ai une question. Est-ce que t'as déjà on a compris... pris donc deux packs. Est-ce que tu as déjà compris pourquoi sur les bouteilles c'est écrit Saint Jean-Baptiste Saint ? Ensuite, on va rester dans les boissons. On a pris deux packs, donc ils étaient en promo de 7-Up, donc citron, citron vert. C'est des bouteilles d'un litre 5, donc on a pris deux packs, donc c'est on par 4. Sur les boissons. Ah, tu prends qu'une bouteille. Non. On a pris 6 bouteilles de Pepsi, mais on en a eu une offerte, ils nous en ont mis 7. Bon. Donc ça, c'est les bouteilles, donc c'est les classiques, et c'est les bouteilles d'un litre 5. Et on a repris du coup 6 bouteilles de cola jean, donc la marque repère, donc classique en 2 litres, 6 bouteilles. Les boissons. Ensuite, on a pris une bouteille de menthe, donc ça c'est une grosse bouteille d'un litre 5, donc c'est toujours la marque repère, donc comme je vous ai dit, les sirops là ils sont très bons. Et on a pris 2 bouteilles de sirop de grenadine en 1 litre 5 de la marque repère toujours. C'est une boisson. On fait de la pub pour Leclerc gratuitement. Boisson ? Non, en boisson, c'est bon. Ensuite, pour les minouches, donc on a repris un paquet de Whiskas. Donc, c'est les croquettes que je vous dis à chaque fois. Hein, donc, avec, les croquettes au lait, 1,75 kg de 2 à 12 mois. Donc, voilà, c'est très bien. On reste sur les minouches ? On reste sur les minouches. Donc, j'ai repris les grosses boîtes, les menus en sauce. Donc, comme je vous ai déjà dit, il y a 6 bœufs, 6 agneaux et carottes, 6 dindes et 6 poulets et petits pois. Ils n'aiment pas trop les légumes. Ah, il y a Kimi. Emi, ouais, mais les deux autres, ils les mangent pas. C'est difficile. Il y en a un des quatre, je sais pas c'est lequel que tu as donné à l'info. Aujourd'hui, j'ai donné agneau, ils l'ont mangé en 5 minutes. Et il y en a un qu'ils n'aiment pas trop. À chaque fois, ils me le laissent. Donc, format x 24. Donc, du coup, bah, ça me imagine, fait y a déjà 12 jours. Imagine, il y a déjà un par jour avec tout seul. Et toujours, marque repère. Ah. Ouais, il y en a, ils donnent même un ou deux sachets par jour, mais ça fait trop. Ou c'est comme s'ils avaient la moitié d'un tous les jours, en fait. Ouais, ouais. Ensuite, on a repris deux sachets de pommes de terre vapeur sautée. Donc, 2 kilos pour faire les vapeurs sautées, salades. C'est un sachet de 2 kilos ou deux. Et c'est toujours la marque repère. On reste sur les patates. Ensuite, on a pris un gros sachet de pommes de terre. Ça, c'est plus pour les frites. C'est combien ? C'est 5 kilos, je crois. Non, c'est pas 5 kilos. C'est 5, je crois. Bah, comment tu portes ? Ça va pas l'air lourd. Pommes de terre, je sais pas, c'est combien ? 5 kilos. Ouais, on a repris 5 kilos de patates. C'est pas ça, maman. 5 kilos de patates. J'ai fait une gosse pleurer. Désolée, petite pause, Mel. Je fais ma vidéo, chérie. Maman. Oui. Elle a disparu. C'est vrai? Ouais. Oh. Elle a disparu, du coup, j'ai fait une danse de pleurer. De pleurer? Elle a fait une danse de pleurer. On fait les sauces? Ouais, bah après, c'est parce que là, sinon, tu fais au fur et à mesure, n'importe. Ouais, tu as. Donc, on a repris un pain de mie format familial de la marque Jacquet, sans croûte. Je ne suis pas trompée. Donc, celui-ci ils sont bons avec est lui. Très bon. Par contre, on a un choc, il y a d'aller chier et ça pue. Tu le sens pas? Oh punaise! J'ai repris un lot de 4 crèmes dessert. Donc c'est pareil, c'est toujours la marque repère saveur brownie. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était 19 mars la date. J'ai déjà mis sous deux mots. Et j'ai repris un lot de crème dessert saveur cookie, toujours marque repère. On a repris un lot de steak haché, donc la marque Ferial, marque repère. Les steaks hachés, 15% de matière grasse. Voilà, c'est toujours les mêmes, hein. Je vous montre. J'ai pris pour dépanner 2 pizzas de la marque Sodebo. Donc c'est les mozzarella et chiffonade jambon speck. C'est les deux mêmes. Donc celles-ci, Christophe et Camille disent qu'elles sont super bonnes. Oh, c'est pour ça, les t'as intérêt à prendre un bon. Ah ouais, bah, les jambons crus. Ensuite, du poulet. On a repris deux poulets.
Donc celle-là, c'est poulet 1,4 kg. Ouais, c'est poulet au nom. Volandry, marque repère. Voilà. Savoir que quand on fait du poulet, c'est bon le poulet. Eux, ils prennent tout le blanc. Et moi, je me retrouve avec les 4 cuisses. Elle mange tous les cuisses. On n'aime pas les côtes de poulet. On a repris 2 ketchup. Ça, c'est des combien? Maman, je peux prendre du ketchup. 2 ketchup, 1 kg. Toujours marque repère. Donc ceux-là, ils sont très très bons. Ah, c'est de la sauce comme ça. Je croyais que c'était en sachet quand même. J'ai repris 2 sauces mayonnaise de la marque Amora. Parce que la sous-marque, elle n'est pas bonne. La marque Amoyo. La marque Amora, elle est très très bonne. Donc c'est des 470 grammes. Je savais pas que je croyais que c'était de la sauce en poudre comme d'habitude pour les frites que vous avez. Non, je sais pas si elle est bonne, tu verras bien. Il y avait une promotion sur la sauce c'est Benedicta. Donc c'était une sauce achetée, la deuxième à moins 65%. Du coup, j'en ai pris 4. Donc là, j'en ai pris une au poivre, sauce au poivre de Madagascar. Donc c'est des pots de 260 grammes. Je pense que c'est tout pareil. 270. Ah, là c'est 260. Donc au poivre, 260 grammes. Là, c'est bourguignonne, donc 270 grammes. Là, on a 10 grammes et eux, de plus. Et c'est 260. Là, il y a 10 grammes de plus. Ensuite, on en a pris une, donc sauce spéciale pomme de terre. Donc ça, c'est très bon, c'est quand on mange la raclette. Elle est trop bonne, c'est pas bon. Et enfin, j'ai pris une tartare. Ils aiment bien les sauces, donc ils pourront goûter. Elle va se prendre une spatule dans la tête. Je me suis repris du café d'Éco. Donc c'est les 16 dosettes. Donc on prend la marque repère comme je vous ai dit et il est très bon. Il est beaucoup moins cher et il est très bon. T'as dit que t'en as pris deux ? J'en ai pris deux. J'ai repris un lot de sacs poubelles 50 litres. Donc il y en a 15 dedans. Donc je vous avais montré je crois ou peut-être je ne l'ai même pas encore sorti peut-être le haul. Je sais plus. Enfin bref, j'avais acheté des sacs poubelles à Action. Je crois que j'ai pas sorti le haul, mais j'ai déjà le parlé. Le Action, tu l'as sorti. Non, il y en a un autre aussi. Et je sais pas si c'était pas dedans. Même les torchons et tout, je sais même plus. Ouais. Bon, bref, tant pis. Vous savez que j'ai acheté des. Bah non, vous savez pas que j'ai acheté des torchons. Je sais pas si tu l'as sorti. J'ai acheté des sacs poubelles à Action et comme j'avais dit, il faut pas vraiment les charger parce que c'est un peu de la. C'est vrai. Bah, ils sont. Ils craquent vite. Bien, mais voilà, tu peux pas les fermer et il faut pas les charger parce que alors là. Oh, c'est chiant les sacs poubelles avec les fils. Tandis que ceux-là, Leclerc, marque repère, je crois, c'est ça? C'est toujours marque repère, voilà, ils sont très bien. Et s'il fera encore la promo marque repère, t'en aurais. Ah ouais, tu m'étonnes. J'ai repris les deux plaquettes de Crunch, donc c'est 2 x 100 grammes. Mmh. Donc ça part très vite. C'est horrible, pardon. J'ai pris pour Christophe une plaque de chocolat Lindt Excellence caramel à la pointe de sel noire aux éclats de fin caramel et c'est une plaque de 100 grammes. Mais il a dit qu'elle était très bonne. Les assiettes. Là, il y avait une promo sur les assiettes. Je sais plus c'était quoi la promo. Je crois que c'était 2 achetés, la 3e offerte. Donc, du coup, ça peut dépanner entre deux pour Christophe quand il rentre du boulot si les enfants ne les ont pas mangés entre deux. Donc là, il y a un parmentier de poisson à la ciboulette. Donc, c'est pour une personne, poids net 300 grammes, 2 minutes au micro-ondes. En fait, t'as pris des trucs. Je vous en dirai de plus si c'est bon ou pas. C'est quand même B, hein. Ça va. Et là, on a pris une saucisse grillée purée de pommes de terre. Et poulet rôti. Poulet rôti purée à l'ancienne, c'est ça? Oui. Donc voilà, ça peut dépanner entre deux. J'ai mon fils qui arrête pas de m'envoyer des messages. On mange quoi? J'ai pris un lot de 3 boîtes de pâté de foie. Oh, ça c'est eux. C'est pas bon. Marque repère, 3 x 78 grammes. Mais moi, j'adore ce pâté. C'est quoi ça? La pizza, c'est C. Là, c'est B, t'as vu? On a repris 2 paquets d'escalopes de poulet à la normande parce que ça c'est super bon. Et voilà, avec des pâtes et tout, c'est trop bon. Donc avec jambon champignon, 200 grammes, marque repère. Et c'est très bon. J'ai repris 2 boîtes d'œufs. Nous on mange beaucoup d'œufs à la maison. Donc là c'est la marque Eco Plus. Donc 2 boîtes de 10. Ouais, mais nous on en mange beaucoup. J'ai repris. Là je comprends pas pourquoi, tu vois. J'ai repris 2 lots d'escalopes de dinde. Donc c'est marque repère sans OGM. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est pareil normalement. Là c'est 240 grammes et là 240 grammes. Pourquoi il est plus cher? En fait celui-là il restait plus qu'un lot. Du coup j'ai pris celui-là. Mais il est plus cher. Pourquoi? Il est plus cher alors que c'est le même. Oui. Marque repère. C'est 10 minutes à la poêle sans OGM. Extra fin. Et là c'est pas extra fin. Ah,
extra fines, donc en fait elles sont moins chères. Par contre, du coup, ceux-là sont pas plus chers. Enfin bref. Elles sont plus chères parce qu'elles sont moins fines. J'ai pris 4 escalopes de dinde. Nous avons repris des côtes de porc. Des côtes de porc. Donc ça, c'est plus pour c'est Camille. Comme c'est comme ça qu'il faut le dire. Et... des côtes de porc. Pour Alex et Christophe. Et Cricri. Donc, dedans, vous avez 4 côtes premières, 600 grammes. Je vais dire 600 kilos. Non, faut pas abuser. 600 grammes, donc voilà. J'ai pris en promotion, donc vous savez, comme je vous ai déjà dit, le ton petit navire, il est super bon. Là, c'est des boîtes de 190 grammes, égoutté 140 grammes. Donc, le petit navire, il est super bon. Et là, de base, normalement, c'est 6 euros, je crois, les 3 boîtes. Donc, ça revient à 2 euros la boîte. Mais pareil, c'était 2 acheter, une offerte. Donc, ça vaut le coup. Du coup, je me retrouve avec 9 boîtes de thon. Et ça, ça dépanne bien. J'ai repris un paquet de Gansett. C'est 500 grammes. J'ai entendu Gansett. Donc, c'est la marque Panzani. Parce que bah, en drive, en fait, ils font pas la marque repère. C'est toujours la marque Panzani. Donc. Non, ils font pas la marque repère, mais ils font des autres trucs, ouais. J'ai repris 2 boîtes de champignons, la marque Eco Plus, entier, premier choix. Ah, oh, c'est Nutri-Score. Oh, c'est des 230 grammes. Non, c'est pas 230 grammes. Point net 400 grammes, point net égoutté 230 grammes. Donc ça, c'est très bien pour aller avec le poulet. J'ai pris en promo, donc il y avait une promo aussi sur les petits wraps. Donc j'ai pris pareil pour dépanner ben, Christophe s'il a faim entre deux, enfin quand il rentre du boulot. Donc là j'ai pris ces jambon cheddar sauce burger, galette sans conservateur, donc c'est la marque Donna et c'est 190 grammes. Donc j'ai tenté de prendre jambon cheddar sauce burger, j'ai pris bacon cuit fumé tomate marinée sauce fromage blanc. Et j'ai pris un poulet rôti façon farita sauce salsa. On verra bien. J'ai repris format familial le lot de petits pains au chocolat, la marque repère. Donc il y en a 12 pour Méliana. J'ai pris des Mars. Donc là, c'est les mini Mars. Donc vous avez à l'intérieur 403 grammes. 403 grammes. Donc ça, c'est pour boire. Pour manger. Quand je bois mon café, bon. Je vais y arriver. Les Mars. Ouais, parce que Dada, il va mieux t'en ramener. J'ai repris un camembert pour Mathieu. Ça voyait bien. Combien c'est ça? 250 grammes. Voilà. J'ai repris deux. J'en ai pris deux, ouais. Qu'est-ce que je fais? Deux parmesan. Affiné plus de 12 mois. C'est des 60 grammes. Donc j'en ai repris deux, la marque repère. Toujours. J'ai repris du pain pré-cuit de la marque Repère. Donc, c'est point net 300 grammes. Ça, c'est super entre deux pour dépanner. Et là, j'en avais plus. Donc, j'ai repris deux lots. Donc, vous avez deux demi-baguettes. Sinon, il faut que je rentre tout. Il va mieux manger. C'est vrai. J'ai repris un paquet de peach. Donc, vous en avez 8 à l'intérieur. Goût chocolat. 8 x 38,75 grammes, 310 grammes le paquet. Les peach, c'est très bon pour entre deux. J'ai repris les Pépis Club à Méliana. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Les Pépis Club. J'ai repris 2 boîtes. J'ai repris des chips nature. Donc la marque Lace. C'est Nutri-Score C, hein. Point net 150 grammes, ça c'est des chips. De là, les natures, c'est plus famille qui les mange. C'est fort salé. J'ai repris de la marque McCain. C'est ça ? McCain. Les buns original x4, c'est les jambons ketchup, 4 x 100 grammes. 1 minute 30 au micro, nous on les met plutôt 2 minutes parce que sinon à l'intérieur c'est pas cuit. Ouais. Et voilà, ça dépanne. On peut faire l'inverse, non ? Entre deux. Un peu comme ça et un comme ça. J'ai repris, bah je sais pas. J'ai repris 2 paquets de saucisses de Strasbourg parce qu'en ce moment, Mel en mange beaucoup. Elle se régale avec les saucisses en ce moment. Et quand tu vas dire je vais en acheter 10, elle ne va plus en manger. Ah, ça c'est Nutri-Score E. Donc la marque Eco Plus, enfin voilà, Eco Plus, 350 grammes. Donc j'en ai pris 2. Marque repère. Toujours marque repère, le jambon de Paris, 10 tranches, 400 grammes. Fait très bien l'affaire, il est super bon. Toujours marque repère. J'ai pris 2 paquets. Donc toujours marque repère, du blanc de poulet.
Doré au four, 8 tranches, 320 grammes. J'ai pris un paquet. Tu es abonné à Leclerc, ouais. Ouais. J'ai repris un paquet de farine, 1 kg, tablier blanc de la marque Repère. Je vous ai dit, je leur fais de la pub gratuite. Gratos. J'ai repris en surgelé les fameux pains au chocolat. Donc ça, je vous ai dit, vous payez 6€ et des brouettes. Il y a des fois, ils sont montés à presque 9€. Vous avez 25 pains au chocolat. Là, ils étaient à 6€. Donc, 25 pains au chocolat, 1 kg 250. Nous, on les sort la veille au soir. Et franchement, ils sont trop bons. On dirait limite ceux de la boulangerie. Mais franchement, ceux-là, ils sont trop trop bons. On a déjà essayé l'autre marque. Ils sont pas, ils arnaquent pas en chocolat. On a déjà essayé les autres à Leclerc, ils sont pas aussi bons. Mais ceux-là, ils sont trop bons. Si vous voulez des petits pains, ils sont super bons. Ça, c'est pas notre père, c'est Charal. Ça, c'est les Charal, parce que bah, voilà, c'est les meilleurs. Hein. Donc, les boulettes Charal, vous avez 750 grammes, environ 50 boulettes, format familial. Ils sont très bons. J'ai repris un paquet, malgré qu'il y en a encore. Marque Repère, les frites allumettes. 1 kg. Donc ça va, les enfants en mangent entre deux. Et je crois que je vous ai tout fait montrer. Voilà. Donc je vous ai fait montrer toutes les courses. Donc pour un total, comme je vous ai dit, de 174,78€. C'est ça ? Oui. Donc voilà notre petit haul Leclerc. Donc maintenant, on va... Je peux plus sortir ma caméra. Maintenant, on va ranger toutes les courses. Donc, merci à tous ceux et celles qui regardent les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter. Camille est en train de ranger ses pattes. Bah, j'attends que tu finis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.